Salut à tous, une vidéo qui sera une expérimentation à la CON, si vous voulez dire comme ça. C'est-à-dire que je naviguais tranquillement sur le site archiveos.org pour ma série de vidéos les distributions injustement oubliées, enfin les distributions Linux injustement oubliées, et puis je suis tombé sur la page de la Bridge Linux. Tiens. Je savais que la bridge était un peu ancienne, qu'elle n'était pas trop maintenue. Et puis quand je suis tombé sur la page, ça m'a rappelé que la dernière version datait de février 2015. Je me suis dit, je vais récupérer l'image ISO SFCE, ça pourra toujours me servir pour cette série. Et puis je vais quand même sur DistroWatch par acquis de conscience. Et ensuite, je tape la bridge pour savoir où ça en était justement. Si le projet existait toujours. Elle est définie comme dormante. Et si on regarde bien, la dernière annonce date du 24 février 2015. Je vais vous mettre un peu plus gros comme ça vous pourrez le voir. Voilà, 2015-02, c'est 24 février 2015 avec Pac-Man, blablabla. Donc en gros, là, on va arrondir. Donc comme j'enregistre cette vidéo en juillet 2017, en gros, l'ISO a à peu près 2 ans et demi. Je vais quand même voir parce qu'elle est marquée comme dormante. Et là, je vois que le titre de la. Avant, c'était si on regarde le site officiel sur ArchiveOS, c'est Miller's Technology. Et si on regarde sur DistroWatch, c'est Bridge Linux. Tiens donc, est-ce que le projet sera encore en développement? Tiens donc, oui, apparemment le site est assez récent parce qu'on voit que c'est la présentation pour les interfaces dynamiques. Et mobile. Voilà, préciser les téléchargements seront montrés ici quand la prochaine compilation sera disponible. Donc je vais voir sur les forums. Les forums, il n'y en a pas. Bon, bizarre, 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 vous avez des bizarres. Et je reviens à la destination de dormante selon DistroWatch. Et j'utilisais, je sais, c'est pas bien, mais. Voilà, Google Translate. Voilà. Pour voir comme un édifice dormante. Comme ça, vous aurez la définition directement sous les yeux. Là, je vais mettre un peu plus gros. Une distribution qui n'a pas publié de nouvelle version depuis 2 ans ou plus est marquée comme étant inaccessible dans notre base de données. La distribution peut être encore effectuée, peut être encore en cours de développement, mais n'a pas publié de nouvelle version stable. Lorsqu'une distribution dormante publie une nouvelle version stable, on la marque alors comme active. En clair, tant qu'il y a un site, peu importe que la distribution soit développée ou pas, elle est considérée comme encore dormante ou dans le coma. Donc là, apparemment, la distribution sera encore développée, mais je ne sais pas plus. Bon, bref. J'ai récupéré l'image ISO de la version XFCE. Là, j'ai créé une imagine virtuelle classique, 2 Go de mémoire vive, 128 Go de disque et double CPU. Et on va voir si on peut arriver à mettre à jour cette ISO vieille de 2 ans sans trop de prise de tête. Je ferai des coupures si nécessaire parce que sinon ça sera un peu long. Voilà, on est parti. Donc. Donc, ça va être 2 ans, ça va être un noyau 3 après quelque chose. On peut déjà un premier 4-0, je pense. Enfin, on verra. 2 ans et demi, ah, peut-être pas. On verra ça. C'est du cas système D218, alors que c'est 233 ou 234 qui est la dernière. Ah, c'est le noyau 3-18-5. Donc, j'étais pas loin de 10 ans 4-0. De mémoire, le niveau 4.0 était en vérité le 3.21. Ou 3.20, je ne sais plus. 3.20, oui, c'est ça. Voilà, nous avons la Bridge Linux. Avec ses outils, son blabla. Donc là, on va voir l'installateur. De mémoire, il était en mode texte. Oui, il était en mode texte. Donc français. Ok, date et heure, donc fuseau ta bouche, Europe, Paris. Ok.
préparation du ou des disques. Donc là. Ok, par sécurité, je couperai l'installateur et je le relancerai pour qu'il prenne en compte une nouvelle partition. On n'est jamais trop prudent. Donc je vais prendre mon partitionnement de vieux schnock. Donc 512 mégas en extended 2 qui aura le noyau. 4 gigas de swap ou 2 gigas, peu importe le swap. Alors, type. Bien sûr, comme je dis, une machine BIOS. J'avais pas envie non plus de faire mumuse avec l'UEFI. Moi, pas malade mental. Donc, je tiens à ce qui me reste de santé mentale. Voilà. Parce que l'UEFI, c'est la diarrhée sanglante. Donc là, on va fermer ça. Et on va relancer l'installateur. Ok. Date et heure, donc UTC, Europe, Paris. Préparation de disque, donc ok. Ok. Comme j'ai fait le partitionnement, c'est ok. Et il ne m'a pas pris le DBSD1. Ça, le bête. D'accord. Vous savez quoi? On va tout annuler. Et on va faire un partitionnement simplifié. Ça le bête, ça le bête, ça le bête. Donc il n'a pas voulu me prendre le DBSD1. Et bien on va pas s'ennuyer. On va juste faire un partitionnement. Route, home, swap, route, swap, home. Sudo cfdisk. Voilà. Donc, delete. Donc, on va mettre 20 gigas pour la partition racine. 4 gigas pour le swap. Et le reste pour la partition home. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va relancer l'installateur. Voilà, et on est reparti. Ok, cette fois-ci, normalement, ça doit être la bonne. Europe, Paris. Préparation du disque. Choisir. Ok, DBSDA. Ok. Voilà, donc il nous demande la partition swap, ça sera DBSDA2. La partition route, DBSDA1. Non, je veux pas de Razer FS. Je préfère l'Extended 4. Autant utiliser un système de fichiers qui soit correctement maintenu. Si vous vous demandez pourquoi, cherchez Hans Razer et vous comprendrez ma réflexion. Voilà, donc il va nous partitionner l'ensemble. Et là, il va commencer la copie des fichiers. Normalement, c'est le système. Ok. Donc là, il est 13h11. Je mets en pause. Et je reviendrai quand la copie des fichiers sera terminée. À dans 10 minutes. À toutes. Bon, voilà. Désolé, je suis mangé un sucre, j'ai un petit creux. Il est 13h19, donc 8 minutes sont passées et l'installation des fichiers est terminée. On va passer à la configuration pour le test. Désolé pour le... Là, on va configurer le système. Le mot de passe route. Le nom d'utilisateur qu'on va créer. Si je tape correctement le mot de passe, ça sera mieux. Et là, donc, dit la configuration système. Bon, on va mettre Fredo Bridge Linux. Vconsole, on va mettre Latin 9. La locale, on va faire sauter les guillemets. Ça, on n'y touche pas. Fstab, on n'a pas besoin de toucher. Ça non plus.
Donc apparemment, il utilise WCD pour la connexion réseau. Pourquoi pas? Host, keyboard, localgen. Donc là, on va vérifier qu'il nous génère les English US UTF-8 et FRFR UTF-8. Les autres ne sont pas nécessaires. On commente les deux lignes inutiles. Voilà. Pacman, on s'en occupera après. Et on revient au menu principal. Donc là, il va générer l'image noyau qui sera utilisée pour le démarrage suivant. Donc c'est un niveau 3.18.5 et le dernier en date, c'est 4.12. Et sur la version stable de l'Arch Linux, je crois qu'au 10, au 15, enfin, mi-juillet 2017, on en est au 4.11.9 de mémoire à vérifier. Enfin, ça sera vite vu. Ok, ça c'est fait. Pardon. On va installer le gestionnaire de démarrage en clair grub. Et on va redémarrer. Quitter. Et là, on va faire redémarrer ensemble pour avoir notre base à jour à l'époque en février 2015. Donc en gros, à jour qui a presque un an et demi au moment où j'enregistre la vidéo. J'espère quand même qu'on pourra la mettre à jour complètement. En attendant que la bridge sorte un jour une nouvelle ISO, mais ça risque d'être un peu chaud. Voilà. Donc, il utilise NXDM, pourquoi pas. Ok. Crac, 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 crac. Et on se connecte. On comprend pourquoi ça s'appelle d'ailleurs la bridge Linux. Bridge étant un pont en anglais. Donc là, il va nous faire le post-installation. Très bien. Ouais, pas MT Post, c'est Mellars Technology-Post-Installation. Donc peut-être qu'il y aura des trucs qui n'ont pas fonctionné complètement. Parce qu'il y aura par exemple à prendre en compte là, tout ce qui est Pacman récent, OpenSSL, peut-être les certificats. Donc là, il risque d'y avoir 2-3 commandes à faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit le README? Ah oui, déjà les streamer plugins 0.10 sont obsolètes. Il n'y a pas KUR, donc il va falloir faire mumuse avec tout ça. Oui. Ouais, bon, ça sent un peu l'âge de la distribution. Hop ça. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc là, il va exécuter les paquets. Oui, oui. On va tout accepter. Donc on va prendre l'option 1 par défaut. Et là, bien sûr, on accepte par rapport à la migration d'une version de X11 qui est un peu plus compacte sur certains plans. Qui fait que beaucoup de paquets sont désormais inutiles. Voilà, donc
Ouais, il va mettre peut-être 3 minutes à récupérer tout. C'est pas super passionnant, mais ça permet comme ça de voir. Et si les actions à faire, si vous voulez reproduire mon essai, je préfère attendre. Laissez la vidéo un peu longue, comme ça, si vous voulez reproduire ce que j'ai fait, ça fonctionnera peut-être. Croisez les doigts. Donc, on va passer à SystemD233. Ça va faire quand même un sacré bond en termes de version. Et bien sûr, si le script post-install se plante la gueule, vous pouvez toujours y accéder à nouveau. Cool. Donc on avait un Chromium, côté accessoire 7-Zip, calculator, tunard, leafpad, tiens, j'aurais pensé qu'il allait utiliser mousepad, bon, tout se remplace facilement. Abiwork numérique, pourquoi pas. Gsumb, Chromium, Thunderbird, transmission, deadbeef. Et le jeu d'icônes est sympa par contre. Il n'avait pas encore cédé à la mode du flat, à tout prix. Ouais, super. Ah bah, c'est noyau 4.11.9, comme vous pouvez le voir. Donc en gros, on va sauter, en 2 ans, on va avoir 12 noyaux de différence. Ouais, c'est à peu près que... Enfin, 1 an et demi, 12 noyaux, c'est à peu près la bonne moyenne. Ouais, pas prêt, oui. Ça va être quand même une sacrée mise à jour, donc je sais pas si ça va se passer finger in the nose ou pas. Je ne pense pas que ça passe finger in the nose parce qu'il va y avoir sûrement des conflits de fichiers et autres qui vont me demander d'intervenir manuellement. Après tout, c'est une arch Linux, donc vous avez l'habitude de mettre les mains dans le cambouis s'il le faut. Ah oui, Chromium 59, et c'était le Chromium. Le Chromium est fou furieux côté mise à jour de version, donc là, ça va être dans quelque chose. On va passer du Chromium 40 au 59. 19 versions intermédiaires. Ouais! Ou 18, enfin bref. On voit le saut de version. Waouh! Ça fait mal! En gros, il a mis 3 petites minutes à récupérer 75%, donc 5 minutes pour un total. Mais c'est vrai quand même qu'il y a plus de 600 mégas de mise à jour à faire. Ce qui justifie des ISO régulières pour de la rolling release. S'il y avait encore besoin d'un justificatif. Un bon gros CD côté taille de mise à jour. Hein. Donc, on va voir s'il va me faire une erreur au niveau des clés ou si tout va se passer du premier coup correctement. Mais faut pas rêver. Bon, d'accord, j'ai compris. On sera obligé de recommencer par la suite. Parce que des clés non trouvées, ça sent pas bon. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir mettre d'abord à jour le trousseau de clés.
Ouais, vous savez quoi? Je relancerai le script de post-installation après. Je vais mettre skip pour le moment. Je relancerai le script de post-installation après. On va commencer déjà par mettre à jour le trousseau de clés de Pacman. Sudo pacman-s arch linux keyring. Oui. Et là, automatiquement, les clés qui n'étaient pas reconnues le seront. Sudo pacman-s yyq. Je préfère couper le script de post-install. Alors, oui. Ah, peut-être, je vais vérifier, je crois, peut-être d'abord que je modifie un truc, c'est au niveau des certificats. Alors, certificat. Voilà. Donc, il faut que je copie ça. Si je ne veux pas avoir d'ennui. Au niveau des certificats. Et normalement, je vais être tranquille. Étant donné que les paquets sont déjà téléchargés. Et normalement, il devrait me faire toutes les mises à jour. Mess finger in the nose. Et dès qu'il va me lancer les mises à jour, je mettrai en pause parce que c'est pas la peine de vous montrer ça. Et je relancerai le script post-install. Voilà. Donc là. Il est 13h32. Je vous mets en pause tout ça et je reviens quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà, il est 13h37, la première paquet de mise à jour a été faite. Donc en gros, 5 minutes pour m'installer tout. Déjà, c'est bien. Je vais lancer de nouveau le script de post-installation pour qu'il m'installe les derniers paquets qui n'ont pas été installés à cause de ce gros paquet de mise à jour. Après, on redémarre et on s'attaque à la fin de la post-installation. Voilà, liquid to continue. Certaines étapes, on va les sauter parce qu'elles sont déjà faites. C'est bon, on va le refaire, mais c'est pas bien grave. Ça ne changera pas grand-chose. Sinon, il aurait fallu trafiquer, récupérer des paquets. Donc, j'ai préféré rester au plus simple pour que les personnes qui ont envie de reproduire la manipulation puissent le faire. Bon, alors, c'est un peu long par rapport au lancement de Reflector, n'est-ce pas? En plus, c'est une arch Linux après tout, donc c'est un moyen comme un autre de se mettre les mains dans le cambouis. Avec un environnement déjà disponible. Il y avait aussi une version avec GNOME de mémoire, une autre avec KDE, et une autre, je sais plus avec quoi, mais je préférais prendre la version avec XFCE. On va nous refaire, mais ça ne sert pas à grand-chose, étant donné que les clés sont déjà à jour. Donc ça, c'est déjà fait, on peut le sauter. On va installer le support des imprimantes. Ça, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin du Bluetooth. JRE, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là, on va installer. Je pense qu'il y a un petit problème avec CUPS, donc je l'installerai à la mimine. Ou en rajoutant PMAKUR. Voilà. Il y aura un tout petit bug avec le script en concernant CUPS. Mais ça, c'est pas grave. Ça peut se corriger en un claquement de doigts. Par contre, je reviens 30 secondes sur le fichier README parce qu'il nous parle des JRE, enfin des Java 0.10, enfin je stream 0.10. Donc je pense que c'est le XFCE Mixer. Oui. Donc automatiquement, certaines personnes vont grincer un peu des dents, mais comme GStreamer 0.10 est bien maintenu, XFCE Mixer fait partie du lot à cause des dépendances, il va falloir passer par le greffon Pulse Audio. Oui, je sais, ça va grincer des dents chez certains utilisateurs.
c'est comme ça. Soit vous retapez la compilation pendant une heure des greffons JStreamer 0.10, soit vous passez avec Puce Audio. Des deux, on choisit le moindre. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc là, ce que je vais faire, il n'y a pas KUR, mais qui est un peu ancien. 4.2.18, la dernière version, c'est la 4.7.10. Donc, on va aller en vitesse sur AUR pour récupérer Cower, qui est une dépendance d'AUR, de PAC-AUR, et PAC-AUR lui-même. Donc, on va sur aur.archlinux.org. Ça me permettra après d'installer PAMAC-AUR. Donc, Cower. Parce qu'il faut rajouter une clé GPG. Il faut rajouter cette clé GPG. Copier. Coller. Comme ça, ça me permettra de récupérer tranquillement. Donc, on va faire maintenant PAC-AUR-S Cower. Oui. Non. D'accord. On va passer directement par la commande git. Donc on fait un git clone. Là je connais par cœur la ligne de commande, donc ne vous étonnez pas si je la tape de mémoire. On va dans Cower. On fait un petit makepkg-s. Pardon. Et on fait la même chose avec PAC-AUR qui sera en version 4.7.10. Ça fera pas de mal et ça permettra d'avoir une version récente. C'est vrai qu'il y a une mise au vieille de 2 ans presque. Les logiciels s'en sentent un peu. PAC-AUR. makepkg-si. Si je vais dans PAC-AUR, ça sera un peu mieux. Voilà, vous avez la version 4.7.10. Ça va faire du bien. Voilà, ok. Et maintenant, si on fait PAC-AUR-QDQT. On voit déjà qu'il y a tout ça qui est orphelin. Ouais. Mais première chose, on va redémarrer histoire que on ait une machine fraîche. Mince, je vais pas ça. Pour ça, je vais redémarrer. C'est pas grave. Et je vais passer en plein écran. Ce sera plus agréable pour la suite des opérations. Bah, et là, on passe en plein écran. Oh, sale bête! Oh, la sale bête, il m'a pas rendu. D'accord, on n'est pas dans la même merde. Voilà, 2 minutes sont passées. J'ai récupéré une image ISO Arch Linux. Donc, je vais l'utiliser. Voilà. Et normalement, je vais pouvoir démarrer dessus pour passer en chroot. Là, c'est un petit bug, je m'en doutais un peu. Là, vu la vieillesse de l'ISO d'origine, c'était plutôt logique. Aléa du direct. Donc, je ne me trompe pas de port USB. Voilà. Et là, j'ai trouvé le chroot. Et je remercie le créateur de la Bridge Linux de ne pas avoir mis leur chroot. Méchant, va. Donc, lotkeys fr, arch, mount, dev, sda1, mnt, arch, chroot, mnt,
Alors, c'est bon. Donc là, on va faire mkinit Linux. Et je vais régénérer aussi le grub. Ça peut-être me permettre de me sortir de la mouise. Là, c'est vraiment un aléa du direct. Et je me tiens à m'en excuser. Comme quoi, vous voyez, il n'y a aucune coupure ou autre. C'est vraiment de l'enregistrement pur et dur. Ouais! Ou pas. Donc, on va faire grub mk config moins o root grub grub.cfg. Donc là, on va voir s'il est OK au niveau. Alors, voyons. Linux, normalement, ça devrait le faire. Et on croise les doigts. Exit, reboot. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème au niveau du programme de démarrage. Bon, mais sur Arch Linux, c'est passé de Bridge Linux à Arch Linux. Ça, c'est le petit hic. Mais normalement, ça devrait démarrer une bridge. Donc là, c'est la personnalisation qui a sauté. Dommage, mais c'était le seul moyen de récupérer la main. Voilà, donc vous voyez, au cas où vous avez un problème, vous passez par une image Arch Linux, un petit CH root, et vous êtes sauvé! Ou pas. On passe en plein écran. Donc ça, on va se connecter. Et on va fignoler. On va repartir au moment où j'ai dû m'interrompre, cause de ce saloperie de grub qui ne voulait plus fonctionner. Donc nous avons bien sûr une bridge Linux. Même si c'est au démarrage, j'ai marqué Arch Linux. Mais l'un dans l'autre, c'est la même chose. Donc, pkus.pamac.aur pour ajouter l'outil de Manjaro qui est bien pratique. Voilà. Possible installation, oui. Ça va être assez rapide à compiler. Et comme ça permettra d'enlever en mode graphique les paquets qui sont inutiles. Ce sera plus agréable pour les paquets qui ne sont pas à compiler, comme ça. Ça sera un peu plus convivial. Voilà, donc là nous recompile. S'il n'y avait pas eu cet empaffé de bug de grub, ça m'aurait bien arrangé. Mais au moins on peut toujours récupérer la main avec une Arch Linux et apparenter si on sait comment se débrouiller. Donc, exit. On va lancer. PAMAC, voilà, donc il y a un petit bug d'apparence, mais c'est pas bien grave. Alors, ce sera sûrement le thème qui sera mis à jour après. État orphelin, oui, mais tout ça on peut déjà les virer, quoi. On va pas s'ennuyer. Déjà, vous voyez, ce paquet n'existe plus du tout, donc on va enlever tous les paquets orphelins. Histoire de gagner un petit peu de place, et au fur et à mesure aussi, on enlève les autres paquets. Voilà, donc étranger, paquet étranger, il y a tout ça.
tout ce que j'ai streamé en 0.10, c'est mort, donc autant je vous pourrais dire que c'est complètement mort. Préférence. Installer dépendance inutile. AUR, voilà. C'est pas super lisible, mais c'est bon. Donc, les streamers 0.10, ils sont morts en amont. On va le gicler. Donc, il y a des trucs qu'on va réinstaller par la suite. C'est pas bien grave. Donc là, lui, il va sortir. Donc, il n'y a aucun icons, blablabla. MT Post, on n'en a plus besoin étant donné que c'est bon. Désinstaller. Donc, ça n'existe plus, je me souviens, ils sont bons. Le système Greybird qu'on va recompiler pour faire prendre en compte l'apparence. Voilà. Donc, maintenant, on va passer. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du thème Greybird. Paquet UR-SS, YYQ, va nous dire quels sont les paquets qu'il doit recompiler. Tiens, il veut me recompiler Clower. Bon. Là, on va lancer la compilation de l'ensemble. Ça va être assez rapide, je pense. C'est un icône awoken qui ne sont pas si mal que ça au final, parce que si on regarde les icônes disponibles, elles sont sympas. Donc ça, j'en ai plus besoin. On est loin du flat qui nous flatte les yeux, ou pas. Non. Et on est parti pour installer tout ça. Donc, le thème Greybird, apparemment, 3.22.4, je pense que c'est plus ou moins lié à GTK. Donc, peut-être que l'apparence de notre ami PMAKUR sera meilleure. En attendant, mis à part le bug que j'ai eu au niveau de... du GRUB, ben c'est mis à, on peut le mettre à jour. Donc, on va voir si LibreOffice Writer est bien dans Front Dish. Oui, donc le problème de Greybird à modifier. Donc, à propos de LibreOffice, oui, c'est la version 5.3. On va attendre que le thème Greybird soit mis à jour. Je ne sais pas pourquoi ils vont recompiler Clower qui est déjà à jour. Bon, pour ne pas chercher à comprendre. Et après, on s'occupera du son. Et bien sûr, de l'imprimante. Évidemment, on peut mettre à jour l'ISO, mais ce serait mieux quand même que le développeur propose directement une nouvelle version de sa distribution. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Ah, tiens, il manque la date et l'heure, donc on va les remettre. Date et heure. La présentation, propriété. Date puis heure. Heure puis la date. Date seulement. On va mettre la police un peu plus grosse quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Le format de la date, on va mettre celui-là, voilà. Là, on a toujours la date, si vous préférez l'heure. Date puis heure. Donc on va mettre 13 aussi.
moins qu'on mette juste l'heure. Voilà. Le format de l'heure à millisecondes. Voilà. C'est déjà un peu mieux comme ça. On récupère l'heure qui s'affiche en haut. Je n'avais même pas vu qu'elle avait disparu. On va juste le déplacer pour le mettre là. Voilà. Donc, les icônes Awoken, c'est fait. Est-ce que le thème Greybird, c'est fait? Pas encore. VCP, ok. Ah, Greybird apparemment a été mis à jour, donc on va voir si c'est un peu mieux dans le LibreOffice. Ou pas. Ah oui, c'est quand même mieux pour l'affichage. Il n'y a pas à dire, un petit coup de mise à jour de thème, ça fait jamais de mal. Vous voyez quand même, c'est sympa comme présentation. Alors, Internet, Chromium, infographie, multimédia. Voilà. Ah, on sent tout de suite le thème qui est plus agréable à visionner. Donc, les paquets étrangers. Après, je passerai nos commandes. Paquet UR moins RCS, dollar parenthèse, paquet UR moins QDQT, pour enlever les paquets orphelins directement. On va savoir ça. Moins RCS, dollar, pack AUR, de moins Q. DQT, ça enlève les paquets qui sont faits, donc il n'y en a plus. Sauf erreur de ma part, lui n'existe plus. Et lui aussi n'existe plus. Donc, non. Alors là, bon, je vais les garder. Parce que là, désélectionner. Paquet UR, ouais, QM. Je fais paquet UR, RCS, XORG, Server Utils. Est-ce qu'il va me pousser une gueulante ou pas? Oups, pas touche. XORG Utils. Pas touche non plus. Bon, on va pas y toucher. Ça ne mange pas de pain de les laisser. Donc, on va s'occuper de rajouter le support du son. Donc, pulse audio, alsa, Libcambera pulse, tout ce qui est cups pour l'impression, clac clac, système config printer, Gutenprint print pour compléter la liste des paquets, et bien sûr HP-LIP si on a une imprimante HP. Voilà, et là on installe tout le bazar, et normalement dans quelques instants on pourra configurer le son et compagnie. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr, il faut activer CUPS pour voir l'ensemble. Mais déjà, au moins, c'est installé. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que les icônes Awoken sont toujours aussi agréables? C'est vrai que c'est très agréable comme jeu d'icônes. Je vais peut-être me laisser tenter pour ma propre Arch Linux. Et GBFS pour tout ce qui est support des... Voilà. Et normalement, si on va ajouter de nouveaux éléments, donc on peut rajouter le greffon pulse audio. L'horloge, je sais pas, comment je est-il. Propriété.
propriété, format de la formule. Ça peut être hh de point mm. Ça peut être pas ça. Ou h peut-être. M propriété non, bon ben c'est pas la peine c'est pas grave, enlever. Donc là on va propriété, on va lui mettre le volume de sortie audio maximale. Mixer audio. Ah oui, c'est vrai. Il faut PAV control pour régler l'audio. Donc, les dernières opérations qui nous restent à faire pour avoir une bridge Linux fonctionnelle en 2017. Systemctl enable.org.cups.cupsd. Start, ça c'est pas obligatoire mais c'est bien pratique si vous avez une imprimante. Là je vais déplacer ça ici. Le problème c'est toujours les finitions qui sont les plus longues. C'est pas le gros œuvre qui est le plus long, c'est toujours les finitions qui sont ennuyeuses. Toujours. Voilà, donc nous avons le son, comme vous pouvez le voir. Alors, la main se t'a dit, tu m'ouvres PAV contrôle, merci. Alors, je peux t'enlever celui-là. Préférences, icône, ok, mixeur externe. Ok, ok, ça va rester. Voilà, donc là nous avons quelque chose de plus que fonctionnel. Voilà. Donc PAV control avec toutes les options. C'est quand même agréable finalement. Bon, c'est vrai que c'était un peu sur le fil de rasoir à un moment, mais c'est franchement agréable. Maintenant on peut enlever bien sûr ce qui est inutile. Voyons. Outils système. Oui. Je crois que j'ai oublié un paquet. Oui, j'ai oublié le GTK3 Print Backends. Pour être tranquille. Voilà, celui-là nécessaire pour être tranquille avec certains logiciels. Voilà, donc on peut lancer CUPS avec localhost 631. Et on verra que CUPS est bien lancé. Voilà, donc là on a une bridge Linux fonctionnelle. Et normalement si tout se passe bien, il y a aussi le réseau qui doit être reconnu. Voilà. Donc, ah oui, dernier truc, passer le nom d'utilisateur complet. C'est HFN nom d'utilisateur. Sudo chfn pour changer tout. Autant pour moi. Voilà. Et si on se déconnecte et qu'on se reconnecte, le nom d'utilisateur complet est disponible sur l'écran de démarrage. Voilà. Et nous avons une bridge Linux 2015-02 à la sauce 2017 est fonctionnel. Avec un peu de boulot, je vous le concède, mais c'est fonctionnel. Donc là, on peut éteindre. Bon. C'est pas grave, ça arrive. Donc le temps que ça finisse de s'éteindre,
on va arriver à la conclusion. Oui, on peut y arriver, mais il faut faire très gaffe. Et surtout, il faut avoir une image ArchISO disponible sur clé USB ou autre par rapport à Grub qui a tendance à être un peu casse-bonbon. J'aurais dû vérifier que Grub s'était bien configuré. Je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai cherché le bâton pour faire battre. Mis à part d'autres outils à remplacer, c'était pas super complexe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la reproduire, commencez par le faire dans une machine virtuelle. Ce sera très bien. Mais le mieux, comme je l'ai dit un peu auparavant, c'est que le développeur propose une nouvelle série d'images ISO. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.